Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Cette vidéo s'adresse à Maman la Baronne de Suisse. Maman la Baronne, j'ai vu un post que tu as fait concernant Franco Le Mignon. Certes, comme je dis toujours, je pouvais ignorer. Mais si je réponds, c'est par respect. Mais avant de vous donner la raison pour laquelle je réponds, je voudrais attirer l'attention de ceux que ces derniers temps-ci, ils viennent sur Facebook exposer leurs biens, montrer comment ils sont plus riches que Franco. J'ai traversé cette époque-là. Je ne suis plus à ce niveau où je vais venir faire la compétition des biens. On ne se vante pas devant Franco avec les biens. Je voudrais aussi dire à ceux que j'ai lu, parce que j'ai lu certains commentaires sur ton post, les gens viennent dire, tu donnes la visibilité à Franco. Je voudrais profiter pour dire à ceux qui ne savent pas que Franco a 5 pages Facebook. 5. Vous connaissez 3 pages. Franco Le Mignon, Franco TV, le général Franco, parce qu'il y a Franco parmi. Il y a une page qui a 375 000 abonnés. Ça porte le nom d'une femme. C'est Franco qui est derrière. Donc, vous comprenez un peu que dans l'ensemble, sur Facebook, j'ai plus de 700 000 abonnés. Sur YouTube, j'ai presque plus de 64 000 abonnés. C'est pour cette raison que vous voyez qu'ils signent mes petits contrats publicitaires un peu chaque jour. C'est ça qui montre que tu es puissant sur les réseaux. Vous comprenez? Je ne m'expose plus. C'est une parenthèse. Donc, ceux qui viennent dire qu'on me donne la visibilité, on ne donne pas la visibilité à quelqu'un qui est déjà assez visible. Vous comprenez un peu. Maintenant, je vais répondre à Maman, la Baronne de Suisse. Je t'appelle Maman. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de grandir au village. Je suis un bon villageois, mais un villageois qui est arrivé en ville, qui s'est imposé et qui a dépassé les citadins. Je te respecte beaucoup parce que j'ai reçu une bonne éducation de mes feux parents, feux mères, feu père. Premièrement, tu es certainement une mère d'enfant. Je te dois du respect pour cela. Tu es une femme. On doit respecter la femme. Et tu es ma grande sœur. Voilà les 3 raisons pour lesquelles j'ai l'obligation de te respecter. Maman, la Baronne de Suisse. Tu as fait un post pour me demander de ne plus utiliser ton image. Mais ce post, permets-moi de te dire, ça ne t'honore pas. Parce que je te suis depuis. Et tu es celle-là qui sensibilise, qui donne des directives aux jeunes. Mais se lever et faire un post pour demander à Franco Le Mignon de ne pas utiliser ton image, je pense que c'est très mal pensé. Comment tu peux interdire à Franco de ne plus utiliser tes images? Pourtant, toi, tu utilises les images des gens. Je ne vais pas citer les gens que tu utilises leurs images. Tout le monde voit. Si sur Facebook, tout le monde doit se lever et dire « Je ne veux plus que X ou Y utilise mes images », Facebook va seulement, au Cameroun particulièrement, personne ne va plus utiliser Facebook. Peut-être même 10% seulement vont utiliser Facebook. Alors, je vais respecter ta décision, maman. Je vais respecter, rassure-toi. Je ne vais plus utiliser tes images. Mais si je n'utilise plus tes images, c'est par respect, comme j'ai dit, parce que j'ai eu une bonne éducation. Ce n'est pas parce que j'ai peur. Parce que quand tu fais une vidéo, tu mets sur Facebook, on a le droit de la manipuler. De la même manière, si tu veux m'interdire de ne plus utiliser tes images, il faut interdire aux gens de ne plus commenter tes vidéos. Je n'ai jamais utilisé tes images pour parler de toi en mal. Je ne t'ai jamais insulté. Mais tu es venu écrire en commentaire sur ton propre post et tu m'as traité de Tintin. Comme tout le monde parle. Je ne sais pas pourquoi tu m'appelles Tintin. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais concernant ton post, concernant ton image, ta vidéo que j'ai utilisée? Je sais, depuis un bout, je suis en train de subir. Ma page a été bloquée. Et je sais, parce que j'étais au téléphone avec Marie Bibi, elle m'a appelé pour me dire, je suis désolé, je ne savais pas qu'en signalant la vidéo, la page devait avoir ce problème que tu as eu. Et il y a un autre jeune qui utilise également mes images dans le mauvais sens pour montrer que je soutiens, je suis avec Lokameni, maman Lokameni. Je vous respecte tous parce que vous êtes des mamans. Mais c'est lui qui allait faire un post pour dire qu'il a plié 3 doigts, il reste 1 doigt. Moi, j'ai fait ma vidéo pour dire que vous êtes fort. Mais c'est toujours lui qui m'appelle pour me dire qu'il blague. Moi, je n'ai pas besoin de me jeter les fleurs. Hein. Tous ceux qui s'attaquent à moi. Eux-mêmes, ils savent quand ils dorment, quand on s'attaque à un gars qui est pur et sain. Le retour est trop fatal. Je ne me fais, je ne me jette pas les fleurs. Et continue. Qui sème le vent récolte la tempête. Et chacun récolte ce qu'il sème. Vous pouvez tellement faire du mal aux autres. Mère, préparez-vous seulement au retour. Ma mère, je sais que ce que je subis, j'ai reçu des tonnes de messages, des injures. Même sur mes publications, je lis certains commentaires. Même dans la rue, quand je marche, les gens viennent me demander pourquoi tu soutiens Lokameni. Permets-moi de te dire aujourd'hui, et maintenant, non seulement à toi, à l'opinion publique. Pour ceux qui m'appellent pour me demander le numéro de Maman Lokameni, il y a une seule personne que j'ai peur, que j'ai la crainte, qu'on appelle Dieu. Celui qui me donne le souffle de vie chaque matin et celui qui m'a donné la vie que j'ai. Si je mens
c'est ce que je suis en train de vouloir dire. Lui seul connaît ma sentence. Je n'ai jamais eu de contact avec Maman Lokameni, même par WhatsApp, même un seul message, même par Messenger. Jamais. Elle et moi, on n'échange sur rien. Elle et moi, on n'a aucun contact. Moi, si j'ai fait certaines vidéos pour attirer l'attention de certaines personnes concernant à ces multiples sorties, c'est par rapport au milieu où moi j'ai vécu. Et j'ai expliqué dans cette vidéo que moi j'ai vécu un peu avec des gens déjà un peu trop mystiques et tout le reste. Et nous avons grandi dans les griffes de ces sorciers et je connais un peu ce monde-là. C'est pour cette raison que je dis, faisons très attention à ceux qui parlent un peu trop de ce monde. Rien à voir avec le soutien. Rien à voir. Je ne suis pas pour. En fait, je ne soutiens pas ce que Lokameni dit. Et je ne suis pas contre Maman Lokameni. Je suis neutre. Chacun est responsable. Et je vais te dire, Maman la baronne de Suisse, écoute-moi très bien. Je ne céderai plus jamais à la pression des abonnés ou des fans. J'ai pris la décision sur moi et j'assume d'être responsable des actes que je pose. Ma page a été bloquée. Je suis responsable. Je gère ma douleur seule. Je reconnais, je paye mon prix. Mais chacun d'entre nous va payer le prix, rassurez-vous. D'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, j'ai mal. J'ai franchement mal d'avoir perdu autant d'argent et d'avoir perdu. Ma page reste bloquée. On a un diable déployé, il peut faire un post, mais la monétisation bloquée. Le post ne va me servir à rien sur cette page. Jusqu'à ce que la monétisation revienne, ça fait mal. Et vous pouvez imaginer combien j'ai perdu. Ça fait très mal. Et ces gens qui ont signalé ma page, parce que je sais que, comme je dis, elle n'est pas seule. Ce qui est sûr, il y a des gens qui l'ont conseillé de le faire. Ne criez pas la victoire, parce que le chemin est encore très long. Et le combat sera vers l'éternel. Comme je disais donc, Maman la baronne, pour chuter, je suis responsable désormais des actes que je pose. Aucun abonné ne va me dire, ne va me conditionner de faire quoi que ce soit désormais. Depuis un certain temps, je pose des actes quand moi je dors, quand moi je me couche, j'ai droit au sommeil. Je ne veux plus poser des actes pour dire « Hey, c'est comme ça à cause de tel ou de tel commentaire ou de tel X ou Y que j'ai fait. J'ai posé cet acte. Jamais de la vie. Désormais, je suis responsable de toutes mes publications et de tout ce que je fais. » Je sais, les menaces que tu dis que tu ne veux plus que j'utilise tes images. La seule chose, c'est de signaler tes images. Et je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Je ne sais pas. Pourtant, tout le monde sur Facebook utilise les images de tout le monde. Mais si c'est que, comme j'ai vu dans les commentaires, ou c'est quoi, citation directe, ou machin, tout ça. J'ai pas peur de ça. Hein. Je n'ai pas peur de la loi, c'est pour tous les Camerounais. Et comme j'ai dit, maman, je te respecte beaucoup. Rassure-toi pour l'autre là. J'ai un très grand respect pour toi, pour ce que tu fais, pour la culture. Mais permets-moi encore de te dire, pour chuter, que je n'ai aucun lien. Tout ce que les gens pensent de moi. J'ai lui-même, un autre là est allé qui écrit sur sa page que, comme j'étais au village, j'ai fait la vidéo, c'est Lokameni qui m'a demandé d'aller me laver au village. Continuez à porter les malédictions. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci de partager la vidéo. Promoteur des shopping, mesdames et messieurs, ceci vous concerne. N'achetez plus vos vêtements de luxe et vous lavez dans n'importe quel pressing. Désormais, la solution, c'est chez Mr. Clean. Mr. Clean est le meilleur pressing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Clean. Mr. Clean est situé à Ngousso, face Total, à Emana, face Mesafi, à Bastos, Carrefour, Moto Georges, village des jeunes au niveau des Tétates, Biemassi, immeuble Express Union, Oja, avant l'entrée du collège Adventiste, Kouaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman, Abia, descendre Pharmacie du Soleil. Juste une précision, Mr. Clean importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne. Donc, n'achetez plus vos vêtements de valeur de luxe, vous partez laver dans n'importe quel pressing, que parfois ça brûle vos vêtements, ça déforme, ça transforme vos vêtements. La solution, c'est chez Mr. Clean, le meilleur. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.